Nakusalimu mpendwa mtazamaji wa Nipe News TV popote pale ulipo. Matumaini yangu makubwa ni kwamba umweri wa afya. Asante kwa kujunga na matukio yetu. Jina langu ni Andrea Mlema, ambaye bila shaka niko Bennett kukuletea matukio yetu leo hii. Na mtazamaji wa Nipe News TV, matukio yetu yataanzia moja kwa moja katika mkoa wa Ituri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako jeshi la taifa FRDC laendelea kusaka magaidi wa EDF Nalu mkoani Ituri, na hiyo ni baada ya vitendo vya mauaji ya kila siku hapo Ituri. Tutazame namna gani jeshi hilo linavyofanya kazi zake. Les forces armées de la République démocratique du Congo montent en puissance du jour au lendemain en Ituri. Sous le commandement du gouverneur militaire, le lieutenant général Luboya Kanchamadjoni, elle mène les opérations militaires éclairées et combinées contre les terroristes d'ADEF MTM dans le territoire du Rumu, en chefferie de Walese Vunkutu. Au sol, les vaillants militaires de forces armées sont dotés et équipés d'une logistique adéquate. Ils font preuve de vouloir et de pouvoir combattre l'ennemi et le neutraliser. Ces unités de terre bénéficient d'un appui fait aérien composé des hélicoptères d'attaque qui portent soutien dans leur progression vers la destruction définitive de l'ennemi, où 5 bastions de ZADEF sont détruits par les forces armées, à savoir Masangalo, Mugulu Mugulu, Mbelude, Moina et Zunguluka. L'effet final recherché dans ces opérations, en ce temps de l'état de siège en Ituri, la défense du territoire national, la restauration de l'autorité de l'État ainsi que la noble paix. Tel est le GV du chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo. Par ailleurs, pour pérenniser les acquis opérationnels de l'état de siège en Ituri, entre autres le retour de la population dans leur milieu d'origine, reprise des activités socio-économiques scolaires et assurer la liberté des mouvements ainsi que la libre circulation de personnes et de leurs biens sur les routes nationales numéro 27 et 4, le commandant des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchamadjoni, a mis toutes les voiles dehors en posant les actions salvatrices en faveur de sa population avec une somme colossale de 35 000 $ au bénéfice des hôpitaux de référence des Boga, Chabi et celui du centre médical de Nyakoundé pour leur bon fonctionnement. À présent, sur tous les fronts où les forces armées sont engagées, alors rien ne peut arrêter le rouleau compresseur de l'armée dans leur mission régalienne de restaurer l'autorité de l'État et d'imposer la paix. Goma. Baada ya mzunguko yake Bi Olive Lembe mkoani Kivu Kaskazini, hatimaye mke wa rais mstaafu agawa watu mashamba hapo mji wa Goma. Tufuate namna gani ugawaji huo wa mashamba ulivyokuwa. Nous avons réfléchi de quelle façon est-ce que nous pouvions apporter un peu d'espoir à nos compatriotes qui malheureusement ont été touchés par cette calamité. Et nous nous sommes rappelés que pas loin de la coulée de la lave, nous avions, par la grâce de Dieu, quelques années passées, acheté des hectares de terre dans les groupements de Bouumba, et que nous pouvions, par solidarité, céder une partie pour délocaliser certaines familles qui ne sauront pas reconstruire sur leurs parcelles. C'est ainsi que nous sommes venus avec le chef de ce coin, comme témoin, puisqu'il connaît cette concession. Et ainsi,
nous pourrions passer à l'étape de la cession de cette portion des 100 hectares que nous avons décidé de donner gratuitement à nos compatriotes qui en ont besoin. Cela signifie exactement quoi? Vous donnez l'espace, vous allez construire. Comment cela va se passer exactement? Comment les victimes vont entrer en possession avec ces terres? Je dois dire que nous n'avons pas les moyens. Nous ne pouvons pas prétendre avoir des moyens pour construire des maisons pour tout le monde, puisque c'est beaucoup de familles. Il y a plus de 2500 familles qui ont été touchées. Mais au moins, nous avons la possibilité de pouvoir tracer les avenues et d'aplanir les terrains, donc de couper les parcelles et leur offrir juste les parcelles. C'est ce que nous allons faire, mais en prévoyant le stade, les centres de santé, l'endroit où sera érigé les centres de santé, les églises, les écoles. Oui. Que tous les besoins de tous les jours pour nos compatriotes par rapport à notre vie, à la réalité de notre vie, pourront au moins tranquillement s'installer ici sans pour autant avoir trop peur, puisque nous espérons que le volcan Mikeno ne va plus verser de la lave de ce côté-ci. Tukisalia hapo hapo Goma ambako gavana wa mkoa huo wa Goma amefanya parade kuu huku akisisitiza kuwa usalama wa raia mkoani hapo uweze kulindwa. La parade mixte Forces armées de la République démocratique du Congo Police nationale de ce lundi 12 juillet au stade Afia à Goma a été présidée par le lieutenant-général Dima Kongwa Constant, gouverneur militaire de province. Un seul temps fort a marqué l'activité, la causerie du gouverneur militaire. Au cours de cette causerie, le lieutenant-général Dima Kongwa Constant a rappelé à tout un chacun le rôle qu'il est appelé à jouer pendant l'état de siège, tout en soulignant que cet état de siège concerne tout le monde. Mapinga et forces armées de la République démocratique du Congo, mission légalienne, Oyo et Vandisibiso na Moussala, ya liboso, ezali défense, ya intégrité, ya territoire na biso. Nakanisi, mbala ombala ba komanda ba telemi libiso na bino, ba yebisa ka bino yango. Yami balé, protection ya population na biso, nan biloko bia bango. Il a ensuite évoqué l'attitude et la détermination qui doivent caractériser les militaires et policiers pendant ces moments pour mener à bien la traque de groupes armés. Le gouverneur militaire a appelé civils et militaires à la collaboration et à l'observance stricte des mesures barrières contre la troisième vague de la pandémie à COVID-19. Unité médicale Nabiso, à part génie Nabiso, unité médicale Nabiso, et ça la rappelle zinga zinga la population, matango ya makama, soki mabele, ningani, tope, bamboula, inondation, tope, ba incendie, biloko ya biandenge wana, et senali unité médicale Nabiso, et ça la rappelle mbeli Nabiso, ndenge, biloko moni, lelo, lelo, awa, déploiement, Kashobwe, Mheshimiwa Moise Katumbi Chapwe aendelea kuzindua ujenzi wa majengo tofauti tofauti anayozaminia katika jiji hilo. Tufuate namna gani uzinduzi huo ulivyokuwa. Après que le cardinal Fridolin Ambongo en avait posé et béni la première pierre, le couple Katumbi est depuis passé à la vitesse supérieure dans son projet de construction de la paroisse Saint-Gabriel-l'Archange du village Kashobwe. Profitant de son séjour dans ce coin de la RDC qu'il a vu naître, le président Moïse Katumbi a visité le chantier des travaux ce dimanche en juillet 2021, faisant agréablement le constat de leur avancée, notamment
dans la pose de la fondation. Il en a également profité pour visiter le tout nouvel orphelinat du village dont il a financé les travaux. Voilà, on est en train de fabrication locale. Ici, il y aura une petite chapelle. Ça, c'est le réfectoire ici. Tunajengea batoto na mwenye kufinanse hii makuta ni Papa Moise Katumbi. Njo mwenye alipenda sema na huu kwetu ukashobwe kukuyeko olfelina ya batoto. Juu batoto ba mingi ba mama bale basha kufwa basha kuacha batoto biko nangaika sana biko na teso. Avec son école gardienne, sa chapelle, ses réfectoires et dortoirs, cette œuvre de charité est prête à accueillir les enfants orphelins de la contrée et au-delà. Tukisalia tu mkoani ho Katanga ni kwamba baada ya kardinali Fridolin Ambongo zidi ya chuki ya ukabila, hatimaye wami wa Katanga watoa onyo lao zidi ya sheria la Congolite. Tusikilize maoni yao. Nos grands chefs coutumiers de la province du Haut-Katanga, réunis ce 12 juillet 2021 à Lubumbashi, en réunion des concertations au sujet des grands enjeux de l'heure auxquels font face la province du Haut-Katanga en particulier et la République démocratique du Congo en général. En ce qui concerne la proposition de loi de l'honorable Singi Pululu, rédigée par Tchani Mwadiamvita. Conscient que cette proposition de loi est dangereuse pour l'unité nationale en ce qu'elle exclut une partie de la population congolaise à l'exercice des hautes fonctions portant leur reconnue par la Constitution. Convaincu que cette proposition de loi est inopportune, rétrograde, conflictogène, ségrégationniste et n'est pas adapté à un État qui veut se construire comme nation moderne. De ce fait, elle pourrait entraîner des violences et le chaos dans le pays. Conscient de nos responsabilités en tant que détenteurs de pouvoir du sol et du sang et épris par l'esprit de paix, des concordes et de l'unité nationale. Déclarons ce qui suit. La proposition de loi sur la congolité de M. Tchani Mwadiamvita tend à favoriser l'exclusion et consacre la division de la nation congolaise. Nous, grands chefs coutumiers de la province du Haut-Katanga, nous nous opposons contre cette proposition de loi au nom de la cohésion nationale et du vouloir vivre ensemble et demandons d'une part. Na huko Kinshasa ni kwamba baada ya mgomo wa madereva uliofanyika siku kadhaa, hatimaye serikali yapokea lalamiko zao. Tutazame namna gani hali hiyo ilivyokuwa. Kama una population congolaise asiliki magambo kale baba baba. Bona ba, sino mako madeni ni pesa te, pale to chase. Lelo hata na bana moto bana moto ni kwa ngambo. Ala mtoto mimi kwa mimi soto baby, moko pasi maya kumeleza te kumeleza te kumeleza te. Pasi na pasi ayele biso ka kasi ne kwa to kwa mambe boto no bakati. Me to lobi boy 2023 e okoka te chilo mbo kale ake ndi. Ake ndi. Tukisalia katika mji wa Kinshasa ni kwamba rais wa Burundi Evariste Ndayishimiye atembelea rais Felix Tshisekedi kwa nia ya ujenzi wa njia ya treni itokayo Burundi mpaka Uvira hadi Bukavu. Tufuate namna gani mahojiano ya rais Felix Tshisekedi na mwenzie Rais Evariste Ndayishimiye wa Burundi. Faisons par exemple du
Burundi, un pays qui a assuré la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ils n'ont même plus besoin d'importer des denrées de première nécessité, ils les produisent sur place. Je crois que c'est un exemple à suivre et nous nous sommes d'ailleurs entendus là-dessus pour voir comment est-ce que nous pouvons faire ces échanges d'expériences. Et cela dans un contexte très difficile, parce que je ne vous apprends rien en vous disant que le Burundi est sous sanction internationale. Je profite d'ailleurs de l'occasion pour plaider en faveur de ce pays afin que les sanctions soient levées, parce que c'est un pays qui, contre vents et marées, a pu montrer sa capacité à se prendre en charge, à régler ses problèmes. Et aujourd'hui, c'est un pays stable, ouvert et démocratique qui nécessite le soutien de la communauté internationale et qui nécessite évidemment l'apport de capitaux internationaux pour lui permettre de se développer. Donc voilà ce que je peux dire en substance, parce que le communiqué final sanctionnant notre rencontre a été beaucoup plus précis et mon frère a également. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu leo hii. Shukrani zangu za dhati ziwende nyote ambao mmeweza kusikiliza matukio yetu. Mimi ni Andrea Mlema, endapo unataka kupata habari kemkem, habari zenye kuchujwa, ni bora kusubscribe matukio ya Nipe News TV na kusambaza kwa wengine. Sina la ziada, mchango wako ni wa muhimu. Kwa heri. Ogera, la. Ongera sana. 77 kaka. Ndio. Kwanza hizo information umezitoa wapi? Nipe News imemaliza kila kitu baba. Kaka nimekuambia. Wanafunzi wote wanapata matukio kwenye Nipe News TV kaka. Hauna haja ya kwenda Vodacom au Airtel. Simu yako tu inamaliza kila kitu. Nipe News TV ni ya wajanja. Ukitaka kupata habari zote za nyumbani, kwa matokeo yote ya mitihani ya taifa, exam editor. Matokeo yote ya nyumbani. Habari za uhakika. Fuatilia Nipe News TV.